Description de l'environnement. Est-ce que c'est un milieu rural? Si c'est un milieu urbain, c'est sont plusieurs. Est-ce que c'est vrai qu'on peut avoir un milieu urbain? Est-ce qu'il y a une végétation à côté? Bien, est-ce qu'il y a une forêt? Forêt. On peut avoir un milieu urbain, mais on a une forêt, non? Est-ce que c'est la savane? On peut mettre quelle option encore? Est-ce qu'il y a un lac, c'est ça? Est-ce qu'il y a un cours d'eau? Est-ce qu'il y a un cours d'eau? Est-ce qu'il y a... Forcément, il doit y avoir des routes. Bon, bref, c'est juste des informations qu'on doit avancer. Allô, madame. D'accord. D'accord. D'accord, maintenant il y a deux qui sont libres. Non, je suis là, mais il faut pour madame. D'accord, Bon, on va laisser comme ça, ou bien on va mettre haut. Après, on va dire si c'est haut. On met une zone de test où il peut décrire. On va voir comment faire ça après. On continue. Oui. Multiple. Puis c'est multiple. On a choisi multiple. On va régler maintenant l'histoire de Oak là. On va ajouter une question. Une question de type test. Oh, non, d'ailleurs, on va l'appeler spécifier le paysage. Vu qu'on a dit Oak là, il faut qu'on essaye d'ouvrir un test pour qu'il puisse renseigner le Oak s'il choisit le Oak. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau dans spécifier le paysage? On va dans paramètres, dans critères de passage. On demande à ce qu'il s'active si et seulement si. Description de l'environnement a eu le choix haut. C'est bon, non? On comprend le principe. Il va s'activer si et seulement si on a choisi haut à ce niveau. Donc, si on ne choisit pas haut, il va jamais s'activer. Si c'est fait. Je pense qu'on a compris, non? Voilà. Description de l'environnement doit avoir une réponse haut pour qu'il puisse s'ouvrir. On a fait ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter une question. Là, Docteur, mettons. s'il vous plaît, une question. Oui. Bon, si on veut ajouter des questions à choix multiples, par exemple au niveau de la forêt, forêt dense ou forêt claire, comment est-ce qu'on fait ça? Ça, c'est avancé. On va voir ça après. Donc, pour le moment, prenons d'abord comme ça. OK, d'accord, merci. Ou bien on peut également faire comme on a fait pour Okla. Apparemment, j'ai supprimé. J'ai dû supprimer. Par exemple, vous pouvez ajouter une question de type pour répondre à vos préoccupations, vous ajoutez une question de type sélectionnez un. Et là, vous mettez forêt dense. Forêt dense. Et là, vous mettez forêt claire. Et là, vous demandez type de forêt ici.
Et là, vous demandez qu'il s'active uniquement si il s'active uniquement si le type de comment on appelle ça? Il s'active uniquement si le type d'environnement choisi, la description de l'environnement était forêt. Donc, si on choisit forêt, il va s'activer pour qu'on puisse préciser de quel type de forêt. Je ne sais pas si vous avez suivi. Non, c'est pour répondre à sa question. Pour répondre à sa question. Est-ce que vous avez suivi en ligne? Oui, madame, c'est bien compris. D'accord. Parce que c'était juste pour répondre à sa question que j'ai fait. Donc là, j'ai juste demandé à ce que vous ajoutez une question pour dire une question de type test. Je suppose qu'on a fait ça. Et là, la question de type test, là, vous allez dire spécifier l'environnement. Spécifier l'environnement. Et vous demandez à ce que cette question s'active si et seulement si il a choisi O. Je suppose qu'on a fait ça ensemble. Moi, je suis prenée par erreur. Donc, je sais pas. Donc, regarde. Donc, du coup, je vais refaire simplement. Refaire simplement. C'était le passage, pardon. Question de l'environnement. Est-ce que le choix, c'est Donc, on va continuer. On va maintenant récupérer nos échantillons de terrain. Donc, on va ajouter une question de type. De type zone. Il est arrivé sur le terrain. Il a la tablette. Il faut qu'il délimite l'échantillon sur le terrain. On va ajouter une question de type zone. Et là, qu'est-ce qu'on écrit? Délimiter la parcelle à échantillonner. Quand vous allez faire occupation du sol, vous allez comprendre. Qui a déjà fait occupation du sol ici? Qui a délimité les échantillons? Vous avez fait occupation de personne? Non. Personne. Quand vous allez faire le cours, vous allez mieux comprendre. Délimiter la parcelle. Délimiter la parcelle. Ensuite, on ajoute une question de type photo. Il peut prendre deux ou trois photos. Il délimite la parcelle, il prend les photos. Ajouter une question de type photo. Si vous voulez travailler sur les inondations, vous pouvez même prendre des vidéos. À temps réel pendant qu'il pleut, pour ajouter une question de type vidéo. Donc, quand il clique dessus, là, ça enregistre un peu l'inondation en question. Vous faites enregistrer. Donc, il y a photo. Photographie. Vous mettez simplement image, une nouvelle image, ou bien photo, ça dépend de vous. Je vais juste mettre photo. On va mettre vidéo aussi. On va faire le test avec vidéo. Là, ça mieux apprécier. C'est quand tu seras à la maison, mieux apprécier. Va ajouter une vidéo du lieu. On va ajouter une vidéo du lieu. C'est ça qui est vidéo. Vidéo. Est-ce qu'on peut ajouter les documents fichiers? On va laisser comme ça. Photo, vidéo, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Audio. Peut-être vous pouvez ne pas faire la vidéo, vous pouvez peut-être vous avez les explications que vous voulez enregistrer automatiquement. On va ajouter l'audio aussi. Donc là, vous n'avez pas besoin de faire des prises de notes. Vous pouvez juste enregistrer l'audio. On va juste ajouter ça pour voir. Audio. Audio et audio, on va dire prise de notes, une prise de notes vocale. Non, c'est juste ajouter juste un truc. Mais c'est compliqué.
Vous êtes arrivé à quel niveau? Quel niveau? Le principe, il est pareil. On clique simplement sur pour ajouter des questions. Quand j'ai dit ajouter une question de type photo, c'est vidéo là, vous choisissez. Quand il dit photo, c'est photo, on choisit. Donc, c'est juste les noms qui changent. Vous avez à quel niveau? L'invitation, c'est zone. C'est zone. En ligne, est-ce que c'est bon ou bien c'est rapide? En ligne, c'est bon ou bien c'est rapide? On a commencé par ajouter, délimiter la parcelle. Et pour délimiter la parcelle, pour délimiter la parcelle, on a choisi une question de type zone. Zone. Après, j'ai demandé à ce que la connexion n'est pas bonne. Attendez. J'ai demandé à ce qu'on ajoute une question de type photo. Donc, pour ajouter une question de type photo, c'est ça qui est là, photographie. Ensuite, on a demandé à ajouter une question de type vidéo. Pour ajouter une question de type vidéo, c'est ça qui est là. Vous choisissez simplement une vidéo et vous mettez le nom, un nom. Puis, j'ai demandé, j'ai également demandé d'ajouter une question de type voix. Audio. Voilà, c'est ça qui est audio, là. Il est là. Donc, le principe, il est pareil. Vous choisissez simplement la question et vous mettez un nom. C'est bon? Il y a zone. Non, mais forêt, là, c'est pas une question même. C'était juste pour répondre à... Je supprime déjà. D'accord, il y a supprimé. Il y a supprimé. Donc, il y a spécifié l'environnement. Il y a délimité la parcelle. Il y a photo. Il y a vidéo et à la prise de notre voix. Donc, si c'est fait, on va les sélectionner, on va grouper. On sélectionne, on groupe et on donne un nom. Identification terrain. Tu n'as pas mis quoi? Ah, pardon, je vais envoyer. Je vais déplacer. J'ai oublié, pardon. Donc, sélectionne toutes les questions qui restaient et on appelle identification terrain. Identification terrain. Donc, si. On est d'accord, voilà comment notre formulaire se présente. On a d'abord le mot de bienvenue. On demande à l'enquêteur, à l'utilisateur s'il souhaite renseigner le formulaire. Ensuite, on a l'identification de l'agent. On a la localisation et on a l'identification du terrain. C'est bon? On va maintenant faire les derniers groupes, les questions de satisfaction. J'ai envie qu'on épuise l'ensemble des questions. Question de satisfaction maintenant. On va ajouter une question. Parfois, on dit souvent sur l'échelle de 1 à 10, comment avez-vous trouvé la mission terrain? Bref, on met juste des choses comme ça. Oui, il faut préciser. Identification terrain, là, j'avais oublié, mais il faut préciser qu'il souffre uniquement si... Critère de passage. Il faut qu'il souffre uniquement si... Souhaitez-vous renseigner, hein, le formulaire avait été oui. Donc, s'il n'a pas coché oui, il ne faut pas qu'il ait la situation sur. C'est bon? Oui. Vous avez dit si il n'est pas souhaité, c'est pas le formulaire. On va écrire la formule tout à l'heure. On va écrire la formule tout à l'heure. On va maintenant faire le bloc impression ou bien satisfaction. On va ajouter une question qui permet d'évaluer. Déjà, sur une échelle de 1 à 10, comment avez-vous trouvé l'enquête? Bref, des choses comme ça. Intervalle. Intervalle.
On va ajouter une question de type intervalle. On va mettre un pas de temps de 1 à 10. Ne sais pas si vous voyez. Tu as un pas de sur une échelle de 1 à 10. Comme, oui, vous glissez, vous arrêtez là. C'est juste pour vous montrer des options, quoi. On a choisi intervalle. On va peut-être dire vos impressions. Bon, je ne sais pas pourquoi dire, mais on va juste dire vos impressions. Bien, comment avez-vous trouvé la mission? Bien, je ne sais pas. Appréciation. Appréciation de la mission. Appréciation de la mission. On a mis l'échelle 1 à 10. Ensuite, oui. Si on va faire ça, on va faire ça. On va continuer. On continue? Vous êtes à quel niveau? Madame? Oui. Je reviens, c'est ça, je reviens en arrière. Au niveau de l'appréciation de la mission, là, c'est quoi? J'ai choisi une question, j'ai choisi pour appréciation, là, c'est ça, on a choisi intervalle. Intervalle. Intervalle, ok. C'est bon, on va avancer. On a déjà pris on a décimal. Bon, on sait que c'est juste pour entrer les valeurs avec virgule, position à utiliser. Ligne et zone, c'est pareil. Zone, ce sont des polygones, on dessine. Ligne, ce sont des lignes, on dessine. Donc, on a déjà vu le calcul, c'est juste l'effet de somme. Bon, on sait que on va laisser ça. La date, on a déjà pris photo, on a pris note, on a pris, on n'a pas encore touché où. Lorsque tu vas visualiser, tu vas voir, ça sera une échelle comme ça, on va peut-être donner ta satisfaction. Là, si tu as à 5, tu vas tirer peut-être à 5. C'est une échelle de 1 à 10. Bon, bref, c'est juste pour donner les impressions, quoi. On a déjà touché audio, on a touché heure, on n'a pas encore touché ça. On va juste voir. Code barre, on n'a pas touché. Bon, là, c'est juste pour scanner le code QR, là. Mais on n'a pas besoin. Le tableau de questions, on va prendre ça maintenant. On ajoute une question de type tableau de questions. Ici, on va écrire. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Qu'est-ce que je peux renseigner? Je mets juste des choses, même si ça n'a rien à voir avec l'occupation du sol. Là, je vais appeler ça. Ce qui forme analyse multicritère. Il y a déjà fait analyse multicritère ici. On prend des paramètres. Il y a faible, il y a moyen, il y a fort. On essaie de faire un tableau. Essayons de faire un tableau. On va juste mettre des choses comme ça. Hein. On va mettre sol. On dit le sol. Ligne 2, on va mettre haut. Ici, colonne. On va mettre là, on va mettre 7.
Mais c'est vrai que l'eau est déjà une autre chose. Ils sont effrichés dans tout ce cas. Là, c'est juste pour ficher le blanc. Là, j'ai mis son. Là, j'ai mis. Là, j'ai mis. C'est juste pour qu'on voit. Ça va. On va voir ensemble après. Je sais pas comment expliquer. Bon, bref, c'est en fonction des questions qu'on a sous la main qu'on sait quoi dire. Bon, je pense que là. Je pense que c'est bon. On va laisser comme ça. Oui, forcément, il faut que tu le cliques en DM. On a un tableau comme ça. On va voir après. Hein. Essayez de mettre ça comme ça. Au niveau des lignes, vous mettez sol, forêt, savane. Ici, vous mettez humide, sec, défriché. On va faire un truc comme ça. On va visualiser ensemble pour voir. Alors, moi, c'est Non, 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 au fait, on veut juste voir l'ensemble, toutes les, on veut juste utiliser toutes les questions qui, les types de questions qui existent. Donc, essayez juste de faire un truc, comme ça, vous allez voir dans la pratique comment ça se présente. J'ai tant que de chercher une question qui peut résoudre le problème d'occupation du sol. Parce qu'on travaille sur l'occupation du sol ici. Là, ce sont juste des remarques. Vous mettez sol, forêt, savane. Là, vous mettez humide, sec, défriché. C'est juste comme ça. Vous mettez simplement comme ça et on va pas imposer la contrainte obligatoire parce que franchement, on met simplement comme ça et c'est bon? On a ajouté une question de type tableau. Donc là, vous mettez en ligne sol, forêt, savane et en colonne, vous mettez humide, sec, défriché. Pour ajouter une ligne, c'est le plus qui est ici. Pour ajouter une colonne, c'est le plus qui est là. Et pour modifier le nom, on clique simplement sur. Alors, paramètres là, on met donc étiquette, on a mis du et ce qu'on va Ne trop laisser simplement par défaut. Ne laissez pas par défaut. Laissez par défaut. On veut juste visualiser les types de questions. Sinon, on n'est pas obligé d'utiliser tous les types de questions là dans un formulaire. Certains mettent même juste du test ou bien des choix et c'est fini. C'est juste pour vous montrer les possibilités qu'on a dans l'utilisation des questions au niveau de Cobo Toolbox. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore utilisé comme question ici? Crois qu'on a fait le tour. Hein. Merci. Caché. Ça sera caché comme tu le dis, ça ne sera pas visible. On va mettre quelque chose quand même. Mettons quelque chose juste pour voir. Il va mettre caché là aussi, avec comme son nom le dit. Je sais pas, on va juste voir aussi ensemble. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. On va maintenant ajouter la dernière question de remerciement. On va voir ensemble. On va ajouter la dernière question de remerciement. Déjà, on va grouper déjà ce qui est là. On va grouper ce qui est là. On
on va regrouper, on va appeler, je ne sais pas comment donner quel nom. Observation. Critique, c'est ça? C'est pas juste critique, hein. Impression, je ne sais pas. Critique. On va également demander qu'il s'ouvre uniquement si on a décidé, choisi de renseigner. Ouais. On va maintenant ajouter une dernière question de remerciement. Le remerciement, c'est une question de type note. Note. On va de nouveau remercier. Non, pas nous. On va ajouter deux types de questions. Lorsqu'il a choisi qu'il ne veut pas, on va peut-être dire merci et nous souhaitons que vous changiez d'avis. Maintenant, on va en ajouter encore une autre note maintenant pour celui qui a totalement rempli et on dit merci pour les informations renseignées. Donc d'abord, on va dire nous vous remercions et souhaitons que vous changez d'avis. Je ne sais pas si je comprends. On dit que nous vous remercions et. Non, pour celui qui on souhaite qu'il remplisse quand même. Non, on va paramétrer. On va paramétrer. On dit quoi? Nous vous remercions et espérons. Est-ce qu'on va le remercie pourquoi? D'avoir dit non? Celui qui n'a pas rempli, d'avoir écouté. Disponibilité. Ah, merci pour votre disponibilité. Voilà. On dit au revoir, donc tu veux pas qu'il remplisse quand même? Non, ça c'est pratiquement fini. Il reste 10 minutes, c'est fini. On va ajouter une deuxième note. Merci pour votre disponibilité. Une deuxième note. Merci pour votre disponibilité. OK. Nous vous remercions. Espérons que vous changez d'avis. Là, on va demander qu'il s'ouvre si le gars a choisi non. Critère de passage. Souhaitez-vous renseigner? S'il a mis non, là, ça va s'activer. Maintenant, merci pour votre disponibilité, là. On demande qu'il s'active si lui, il a choisi oui dans ce thé, là. Ouais. Là, on a fini. De renseigner notre formulaire. On va choisir un template joli et on va visualiser. Vous choisissez le template, c'est ici. C'est la dernière chose à faire aujourd'hui. Mise en page et paramètres à ce niveau. On clique dessus. Parfois, lorsque les agents vont sur le terrain, parfois on récupère leur numéro de téléphone, on récupère la date du jour de façon automatique. Pour faire ça, il suffit simplement de cocher. Donc, lui ne sait pas que tu as récupéré son numéro de téléphone, tu as récupéré tout mail. En arrière-plan, tu as tout récupéré. Tu as son numéro de téléphone, tu as tout. Donc, il suffit simplement de cocher toutes ces options.
tu récupères tout de l'enquêteur sans qu'il ne sache. Parfois, même s'il est resté sur une position pour renseigner, tu sais qu'il n'a pas bougé de sa position-là. Il a fait un mauvais bruit. Maintenant, le style de formulaire, on déroule, il y a plusieurs types. Il y a les thèmes de grille, les thèmes de grille avec les titres en lettres majuscules, pages multiples. Ça, c'est les différents formulaires qui existent. Lorsque je vais faire, je vais prendre, essayez de choisir un thème de votre choix et après, vous allez visualiser avec un autre thème. Choisissez simplement un template et vous sauvegardez simplement et on va aller visualiser. On va boucler avec cette journée. Donc, vous choisissez un template de votre choix et on va visualiser. Je suis rapide, c'est ça? Waouh! Au niveau des métadonnées, il faut simplement tout cocher. Là, c'est pour récupérer les informations en arrière-plan. Vous pouvez récupérer le numéro de téléphone, le nom de l'utilisateur, son ID. Vous cochez simplement. Ça, ce sont les paramétrages en fonction de l'utilisateur. Maintenant, j'ai dit les templates, là, les modèles. C'est à ce niveau qu'il y a les modèles. Vous choisissez un modèle parmi les modèles, là, vous visualisez pour voir si ça vous arrange. Ça vous arrange pas, vous venez changer. Donc, moi, j'ai choisi ce modèle. Je vais aller visualiser pour voir si ça m'arrange, si ça ne m'arrange pas. Je vais prendre un autre modèle. Donc là, c'est à vous de choisir. Là, vous choisissez simplement un modèle. Erreur comment? Erreur comment? Non, c'est pas, c'est peut-être qu'il y a eu un souci, sinon il n'y a pas de. Vous voyez? Moi, si je dis non, il me dit nous vous remercions et espérons que vous changez d'avis. Et je vais valider, c'est fini. Mais si je dis oui, ok, je commence. Là, c'est le template que j'ai choisi. Et à la fin, merci pour votre disponibilité. Je valide. Donc là, on a vu maintenant, vous allez aller vous exercer à la maison, vous allez faire des jolis formulaires. Et demain, on va passer à la version Android. Donc là, on a vu les différents types de questions. Donc, essayez de choisir une thématique de votre choix, que ce soit la collecte des informations sur les centres de santé, la collecte des informations sur les zones inondées. Essayez de choisir un template de votre choix et on va avancer demain. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais déjà sauvegarder. Donc là, je vais sortir. Je vais vous montrer un formulaire que j'ai développé dans le cadre de ma thèse. J'espère que c'est la dernière version. Voilà, on va finir juste avec ça et on va se donner rendez-vous tout de même. Par exemple, voici un point. Ça, c'est pas pour ma thèse, ça, c'est ce que j'ai développé pour le Bennett. Donc, je vais revenir un peu. Par exemple, ça. Par exemple, vous voyez un formulaire comme ça. Oh, sérieux. On va finir par là. Hein. On est même pas arrivé à 13h, c'est ça? Là, vous finissez. Vous voyez par exemple ce formulaire qui a été développé là. Il fait ça en plusieurs langues. Tu as la possibilité, quand tu choisis anglais, c'est en anglais. La connexion ne donne pas, sinon il y a des images qui s'affichent. Quand tu choisis français, le formulaire est en français quand tu choisis anglais. Mais là, c'est toujours avancé. Par exemple, si je dis Would you like to rap? Bon, je vais retourner en français pour qu'on avance ensemble. Bienvenue. Déjà, il faut être poli. Il y a un logo ici, ça c'est la connexion dérangée. Vous souhaitez nous aider dans la prévention des inondations dans votre commune en répondant aux questions. S'il dit oui, le formulaire s'ouvre. S'il dit non, on va valider, on va avancer. Quand je choisis destinataire public,
c'est les formulaires destinés aux destinataires publics qui s'affichent. Si je parle de commune, c'est autre chose. Identification, tu mets ton nom. Par exemple, ce dont tu parlais, lorsque je choisis la commune d'Abobo, ce sont les quartiers d'Abobo qui s'affichent. Quand je choisis la commune d'Anyama, c'est les quartiers d'Anyama qui s'affichent. Si je choisis la commune de Cocody, c'est pareil, c'est les quartiers de Cocody qui s'affichent. Donc là, c'est une voie avancée. Si je dis oui, ça s'ouvre. Si je dis non, c'est autre chose. Donc là, voilà les tableaux dont je parlais. La possibilité d'affecter, non, de faire tellement de choix, bref, et de mettre également des commentaires. Bref, on peut faire tellement de choses avec vous. Il faut que vous arriviez à ce niveau, vous pouvez faire des formulaires assez complexes pour pouvoir renseigner sur tellement de choses. Ça évite d'avoir les papiers et c'est facilement, tu peux facilement passer un logiciel SIG pour faire des analyses. Tu peux facilement, tu vois, tu peux avoir même des millions de questions. Et ça se sauvegarde sur le cloud. Donc, du coup, tu n'as pas besoin de dire que tu auras une paix. Non, non, non. Les informations sont là. Au fur et à mesure qu'on renseigne, tu as les comptes, les formulaires soumis. Au fur et à mesure, tu sais qui a renseigné, t'as aidé à avancer dans tes travaux, qui a renseigné, combien de soumissions tu as eu ici dessus. Donc, tu vois, tu as un bon suivi. Non, on ne saisit pas. Là, j'ai utilisé les fichiers XML. Là, c'est beaucoup plus, c'est un niveau avancé. Mais il faut déjà maîtriser la base pour pouvoir faire les trucs avancés. Donc, essayez de refaire à la maison, essayez de revoir. Vous choisissez une thématique de votre choix et vous refaites le formulaire. Non. Sur l'application Android. On va passer sur l'application Android. On va faire ça demain. On va comment passer sur l'application Android. Tu peux soit envoyer le lien qui renseigne à partir de WhatsApp ou bien tu installes sur l'application Android. Donc, ce qu'on va faire, on va voir demain comment transférer les liens et comment installer sur l'application Android. Bon, vous pouvez ajouter vos logos personnalisés. Donc déjà, il faut, demain en venant, il faut avoir un bon formulaire. On peut continuer avec l'occupation du sommeil. On peut vraiment proposer des formulaires que vous avez. Je sais pas en ligne. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? On n'a pas encore déployé, donc demain, on va voir ça. En ligne, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je pense Bon, déjà pour le moment. s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on a fini la séance du jour. J'espère que ça n'a pas été très rapide. Note là, tu ne réponds pas. C'est juste une note. Mais test là, tu dois renseigner. Les notes, c'est juste un peu comme ce sont des commentaires que tu renseignes dans ton formulaire pour mieux guider. Dans les tests. En tout cas, madame, c'est intéressant, mais c'est un peu rapide quand C'est rapide. C'est rapide. Demain, je vais prendre tout mon temps, pardon. Comme on n'avait pas assez de temps, il fallait qu'on finisse. Voilà. D'accord, merci. Ok. Oui. Oui, c'est enregistré. Dans nos vases, fini la plateforme. Dans nouveau, tu vas voir ça dans la liste. C'est dans l'Union. Il n'y en a pas encore déployé. Sinon, une fois que tu as enregistré, c'est là. C'est dans l'Union. On n'a pas encore déployé. On va déployer demain. Oui, demain, on va déployer. C'est quoi? iPhone. Il y a une application. Il va te donner. Pourquoi c'est pas en France? C'est mieux. Après, j'ai ici un collègue.